Je suis issu d'une famille à 100% agriculteur. Et puis, j'avais fait mon école d'agriculture. Après, j'ai essayé de me lancer dans la campagne à 100%. J'ai réussi à réunir des exploitations de mes grands-parents et de mon père. Et puis, c'était quand même pas suffisant. On était dans un coin qui s'appelle donc Calès, en sud d'Oréna. À l'époque, on n'avait pas de route. Donc, c'était très difficile de s'agrandir. Et puis, quand je me suis installé là-haut avec ma femme, elle s'est pas plu. Donc, c'était trop difficile, trop rude comme vie. On a juste un téléphérique qui dessert le village et c'était pas viable. Alors j'ai dû abandonner et puis partir travailler à l'usine. C'est pour ça que j'ai quand même maintenu cette campagne qu'on avait montée avec mon père, donc en famille, pour perpétuer la tradition familiale. Donc, faut pas abandonner tout ça. Ici, il y a mes parents qui me donnent un coup de main. Actuellement, ils sont tous les deux à la retraite. L'hiver, surtout pour affourager les bêtes. Les jeunes que je laisse là, principalement l'hiver. Ici, j'ai commencé en 1967. Et puis j'ai continué, paysan et ouvrier. Ben maintenant, je continue. Tant qu'on peut donner un coup de main, on donne un coup de main. En Valais, c'est un peu spécifique par le fait que c'est beaucoup des exploitations de montagne. La majorité des éleveurs gardent ça en à côté, en accessoire et en travail à côté. Alors, j'ai des journées relativement actives par le fait que je travaille à 100% dans une usine. Donc justement, cette double activité, c'est quand même en majorité par plaisir. C'est clair qu'il faut être mordu, il faut vraiment avoir beaucoup de plaisir à le faire, autrement, parce que c'est quand même contraignant et très dur. Donc. Comme je suis tombé un peu amoureux de ces vaches, puis de la campagne, quoi. Je suis un terrien, principalement, j'ai pas voulu abandonner ce côté qui me plaît énormément.